Je ne connaissais pas ces gens. Ils me donnaient des affaires avant de mon train. Ils étaient pressés de monter dans le train. Il y en avait d'autres qui leur disaient de monter dans le train et qu'il fallait qu'ils se dépêchent. Alors, la pluie, c'est l'histoire d'une vieille femme qui, quand elle était jeune, se baladait dans les champs et se retrouvait toujours dans un champ où un train s'arrêtait et où les gens obligés de monter dans ce train lui laissaient des affaires qu'elle a gardées, qui ont envahi sa maison et qui ont dépéri avec le temps, mais elle essaie joyeusement et activement de se remémorer cette histoire pour faire exister tous ces gens. Mais j'ai tout gardé exactement comme c'était. Et j'ai essayé de garder les affaires en ordre. J'étais tout le temps en train de faire la poussière et de nettoyer et d'essayer de conserver tout ce qu'on m'avait donné. C'est un spectacle écrit par un auteur australien, Daniel Keane, en 1998. Et c'est un questionnement à la fois sur la mémoire, sur comment faire exister ceux qui ne sont plus là ou qu'on n'a pas connus, mais aussi sur les migrations, l'exil. Un petit bijou à partager sur la question de l'exil, et vraiment, vraiment bravo quoi, d'avoir fait ça ici, c'est magnifique.